bienvenue à Hall. Bonjour, je cherche l'école. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez être populaire ici, Mademoiselle Rebia. Les enfants sont agréables, à leur manière. Les Halls à trois. 1, 2, 3, Halls. Monsieur Zebra. Ça se prononce Zebra. Conditions météorologiques extrêmes. Qu'est-ce qu'il raconte? Le temps est super. Ce que j'aimerais avoir un magazine. Vous pourriez peut-être lui parler du programme de cette année. On commence par 1984, vous savez pourquoi? Parce que Big Brother nous surveille. Parce qu'on est en 83. Ah, d'accord. Et donc l'année prochaine, c'est 1984. Non, 1984. Tu picoles? T'aimes picoler? T'aimes te saouler? Le soir après 20h, au Hugo's, mets ton soutif le moins confortable. Il y a combien d'habitants à Hall? Moins de 800. Que l'importance. Mais te voilà de retour au lycée et tout le monde te regarde comme la reine du bal de fin d'année. Mon mari a besoin de tranquillité pour son doctorat, mais il l'aura terminé d'ici la nouvelle année. La solution, c'est d'aller dans une autre ville faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Rainsbury était quarterback. Quarterback? Est-ce que c'est pour ça qu'on vous traite comme une célébrité ici? Ce bel homme va rappliquer à notre table dans 3, 2... Et il vient de s'en aller. Est-ce que quelqu'un va enfin faire preuve d'initiative? Que j'ai plus à courir aux quatre coins de la création pour satisfaire tout le monde? Hey! Je voulais que tu saches ce que tu m'as déçu. Si les gens se rendaient compte qu'ils n'ont besoin de personne pour inventer leur bonheur, je te rembourserai en bière, au Hugo's. On verra ça. Quand? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quoi, comment ça, sur le long terme? Pour le petit déjeuner.